Bonjour à tous, c'est Gabin et Lily. On espère que vous allez bien. Qu'elle soit folle aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, on va fêter mon anniversaire sur un bateau, le boat. Exactement les amis, avant de vous introduire quoi que ce soit, je vais vous montrer d'abord le bateau. Préparez-vous, c'est maintenant. Les gars, on va monter sur ce bateau. Ce bateau là là, il est trop stylé. C'est un bateau comme vous pouvez le voir de la société Le Boat. Et en fait Lily, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire un petit room tour déjà pour commencer le vlog. Déjà pour commencer, et demain c'est mon anniversaire. Et avec mes copines on va fêter mon anniversaire dessus. C'est parti, on se retrouve pour le room tour une fois sur le bateau. Aïe 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 aïe. Oh, imagine, je pose du pilotage juste ici. Attends, du coup, genre là, je peux monter dedans là? Eh, je peux monter dedans? Non, on va le regarder pour l'anniversaire. Ah, c'est trop bien! Je me sens dans mon bateau là, ça y est, c'est parti. On commence. Ah, c'est trop beau! Attends, attends, viens, viens vite, viens vite, viens vite. On commence tout de suite. Donc, tranquille. Un petit coin très posé. Bah, alors, un grand coin parce que là, là en fait, on peut quasiment tous s'asseoir. Parce que mais on peut tous, c'est pas qu'on, quasiment. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, on est quand même 10? On est 10. Bon, là, on est 9, je crois, mais il y a l'INSEE du coup. Mais demain, on sera 10. Voilà. Donc petit lavabo, y a des petits placards et tout, machin, c'est nickel. Ouais. On a un très grand frigo. Oh, ah, c'est trop stylé. Le poste que tu ne toucheras jamais. Ah, non mais là, il y a quand même un flot. Faut se le dire entre nous. En plus, regarde. Bah, par contre, il faut quand même enlever le rideau, Lily, quand tu conduis. Waouh, la vue. Gabin, attends, regarde, je prends la caméra pour filmer. C'est une dinguerie. Genre, c'est trop beau. Bon, là, on est encore dans le port, si je puis dire. Bon, non, là, c'est clair qu'on est encore dans le port. Ça, c'est voilà. Ça, c'est sûr et certain. Après. Ensuite les gars, on arrive dans un petit couloir. C'est ça, donc là, directement là, nous avons une chambre. Donc là les gars, première chambre, juste ici. Chaque chambre a sa petite salle de bain avec la douche, les toilettes. Puis là du coup tu peux fermer la porte, là pareil. Voilà. Pareil, donc les gars, une deuxième chambre. Donc déjà on peut faire coucher 4 personnes. Après ici. Ensuite j'ai déjà perdu ma soeur. Ma soeur ah mais moi déjà je poursuis, partie. Je poursuis directement, je suis pressée. Bah là voilà, on a encore une autre chambre. Une autre chambre. Avec la salle de bain toujours. Une troisième salle de bain. Les et gars. Là, nous avons une quatrième chambre. Beaucoup de chambres. Une quatrième chambre avec toujours le même fonctionnement. Une quatrième salle de bain. Ah mais là les gars, j'ai jamais vu autant de salles de bain. Moi non plus. Et pour finir, on a. Oh, il y a un miroir. On a notre petit miroir. Les photos. Et je fonce dans les murs. Et voilà, une autre chambre. Et là les gars, au fond du coup du couloir. Attends, mais regardez, ça va super loin. Le bateau les gars, il fait 15 mètres. Donc là, encore une autre chambre, un autre lit. Ça tue, ça tabasse. Je l'annonce comme ça, c'est mon lit. Non. Ah, c'était convenu comme ça. Là, il y a une salle de bain. On a aussi une salle de bain. Mais oh, mais en fait, notre chambre, elle t'arrose plus. Mais arrête. Regarde. Alors, les gars, regardez, je me suis construit une douche. Carrément, Gabin. Je peux carrément sous mon lit en plus. Non, on évite les bêtises. Ça, c'est des bêtises. En tout cas, là, le room tour n'est pas fini, les gars. Parce que, alors, attendez. Attendez devant le dessus. On vous a filmé l'intérieur et regardez, on dirait qu'on est dans un hôtel. C'est trop bien. On dirait vraiment qu'on est dans un hôtel. Ok, du coup là, comme on vous l'a dit juste avant, ça je crois que ça peut... Oh, ça peut se changer. Genre on peut... Genre le rêve. Du coup en fait regardez, on peut changer de côté. C'est-à-dire que là comme ça, dans cette position, on peut s'asseoir et regarder la Saône. Et dans cette position là, nous pouvons nous mettre ici. Ensuite, voilà. Alors attends, viens on monte d'abord. On monte. Bah attends, t'as fait quoi? Ah ouais. Eh, y'a du flow là. Eh, je me sens sur mon bateau, c'est un peu le but. Oh mais alors là les gars. Eh. Eh les gars. Ah oui. Il y a quoi? Carrément. Une plancha carrément. Non mais carrément. Ah, pour faire sur l'eau. Des petits barbecues. Ça. Les gars, un deuxième poste de pilotage. Alors, les deux postes de pilotage ne peuvent pas conduire en même temps. Ouais. Et voilà. Ça, pareil, Gabin. Et bah, ça c'est pareil. Par exemple, quand quelqu'un pilote en bas, ouais, bon, l'autre il peut mettre le coussin comme ça. Et toi, après, tu peux t'asseoir comme ça de manière. C'est une dinguerie. Et donc, voilà, les gars, le bateau, c'est trop bien. Lily, démonstration. Attends, mais regarde. Démonstration du solarium tout de suite. Maintenant, vas-y, fonce. Je dois monter dessus, mais avec les chaussures. Je peux pas. Mais Lily, vas-y, c'est la vraie petite détente relax là. Les gars, c'est mouillé pendant qu'on navigue. Ah oui, alors du coup ça doit peut-être être un peu mouillé. Mais du coup les gars, c'est ici, il y a deux transats et là-bas il y a deux transats. Il y a quatre personnes qui peuvent bronzer en même temps. Là, regardez-moi ça. Un klaxon incroyable. Non, est-ce qu'on peut klaxonner? Oh,
Attends, viens, viens, je veux klaxonner. Non, Vivi, on est en Saint-Port. Je veux klaxonner. Non, fais pas bah ça. Bah moi, je m'en fous, le jour de mon anniversaire, je vais klaxonner. Oui, tu klaxonneras, mais au milieu de l'eau. On fait pas ça, elle est folle, complètement folle. Les gars, du coup, là, on descend. Bah, faut pas avoir peur de tomber, hein. Je veux en passer. Après, attends, du coup, mais là, on peut passer là, du coup. Bah oui, on peut passer coucou. Là, forcément. Bon, y a maman. Maman qui visite aussi. Oui. C'est bien, ils mettent ça, parce qu'à tout moment, c'est trop vous savez pas, je tombe dans l'eau. Non, mais toi, tu vas ramper à quatre pattes juste ici, comme ça, tu tomberas pas. Ah, là, les gars, du coup, là, on longe le bateau. Ah, c'est trop stylé. Et là, du coup, il y a... On peut se le deuxième là. Solarium. Ici, il y a une petite banquette. Ah là là, on est bien. Et voilà. Et juste pour vous faire un petit aperçu de la tête du bateau, regardez maman ici. Je crois qu'il fait 16 mètres. Il y a papa déjà aux commandes du bateau. Mais regardez-le. Regardez-le. Les gars, regardez-moi ce chauffeur en carton. Il est là, il est déjà aux commandes du navire. Ah ouais. Tu lèves ça. Ah ouais. C'est quoi? Tu peux monter. Mais non. Non, voilà. Oh la dinguerie. T'as plu un petit peu avant qu'on arrive, donc du coup c'est un petit peu humide. Après si on a un maillot de bain c'est tranquille, hein, écoutez, mais ça y a tue, pas de problème. Ça tue. Ouais. On va tous s'installer, on voulait vous faire un room tour avant que tout le monde pose les valises, pose tout ça. Ouais. Et bah écoutez, voilà, de toute façon on va tout vous filmer, même maman qui s'accroche pour ne pas tomber dans l'eau. Pour ceux qui veulent savoir, c'est à partir de 18 ans qu'on peut conduire ces bateaux, donc je ne peux pas conduire, je n'ai toujours pas 18 ans. Et donc je ne peux pas non plus, donc après je vais... Toi, alors toi même à 18 ans on te laisserait pas conduire. Une seconde, je peux pas conduire une seconde. Je vais de conduire une seconde. On va t'asseoir en poste de pilotage quand il y aura genre... À quai. Ok, oui voilà, on va faire croire que c'était toi qui conduisais. On a déjà un plan de Lily qui est au poste de pilotage. Donc comme ça c'est parfait. On va chercher toutes les troupes, parce que comme on vous a dit ce soir, nous sommes 9. Demain nous serons 10. Et ça sera la fiesta. C'est le départ Lily? Oui. C'est carrément le départ là, on est à donf. On a le capitaine là. Pas très serein, j'ai l'impression de capitaine quand même. On est trop bien. Ouais, j'avoue c'est hyper reposant. Je suis mort. Wow. Et yes. Oh, trop bien. Il y a un petit flot et tout. Alors, jaune. Merci. À moi. Non, ouais, non, vas-y. Là, c'est à moi. Tu t'en sors. Je me suis surprise, moi. Tu t'en sors, Lily. Ah, complètement, là. Ah là, waouh. Moi je suis sur mon bateau, moi je vais bien sur mon bateau. Ah. Il faut pas me faire des coups comme ça par surprise. Franchement, t'es vraiment trop belle, Elisa. J'adore le petit déhanché et tout. 1, 2, 3. Merci, je sais qu'on est trop beau avec nos petits gilets là. En plus de tout, on a envie de bain. Après, on va aller là. Est-ce que c'est dans la bêtise? Ouais, je crois. Ah, on va se noyer là. Bon, du coup, non, on va pas se noyer. Presque. Du coup, on arrive où? On arrive dans une écluse. Là, est-ce qu'on est un peu équipé? Je crois. Bah, du coup, les gars, c'est obligatoire, on est obligé d'être équipé comme ça. Y a un petit sifflet, ça c'est au cas où tu. Et du coup, là, l'écluse. Ah, mais en fait, elle est juste là. Hop. Peur, hein, cette et voilà. C'est ici. Et du coup Lily, bon pour l'instant on sait pas si on va monter, si on va descendre, mais c'est maman qui va monter sur l'écluse. Alors là bon. J'ai trop envie, genre. Il y en avait quand même des plus agiles du groupe, dans le groupe, mais. J'ai envie qu'on descende moi. Ah mince, elle a entendu. Oh flûte. Tu doutes de mes capacités, Gabin? Mais pas du tout. Si. Allez pop pop. Du coup, c'est Gabin qui va. C'est Gabin qui va. Ah ouais. Du coup les gars, c'est moi qui y vais. Donc là je vais devoir sauter du bateau pour aller là, grimper à l'échelle sauter et après. Marseillais là. Non, ouais, faut quand même. Les Marseillais, on va là pour vraiment sauter. Attendez, c'est parti maintenant. Arrête, ça me fait peur. Ouais. Champion, hein. Champion. Allez, le petit Gabin, hein. Un vrai petit champion, hein. Ils sont en train de se casser sans moi. C'est bon, je suis tout en haut. Et maintenant je sais pas ce que je fais. Je ne sais pas à quoi je sers, hein. Après tu vas là-bas, Gabin. Ah bon, bah en fait Gabin il est là-bas. Ouais, du coup on se retrouve là-bas avec Gabin.
Regardez-moi juste la taille de notre bateau. Notre bateau, les gars, il est énorme. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Regardez. Je suis avec les claquettes de Lisa. Voilà, le bateau est juste gigantesque. Là-bas, il y a l'écluse. Et donc, du coup, j'y vais. Et ça va être nickel. On va vous filmer un petit peu l'écluse, quoi. Les amis, le principe est simple. C'est qu'en gros, là, il y avait deux bateaux qui étaient dans l'écluse, qui est juste ici. Et en fait, là, ils venaient de là-bas, où l'eau est plus haute. Et donc, du coup, là leurs bateaux ont descendu. Regardez, on peut voir que là, l'eau est passée de là à là. Et donc, du coup, en fait, vous voyez, là, ça fait comme ça. Et là, du coup, là, papa, il va arriver. Il y a un autre bateau derrière qui va arriver. Ils vont se mettre dans l'écluse. Et puis après, c'est nickel. L'eau, elle va monter. Et moi, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je pense que je vais sauter dans le bateau. Je rigole, bien évidemment. Là-bas, il y a un petit ponton par lequel je peux réaccéder au bateau. Bien évidemment, on ne fait pas des bêtises. Donc là, j'attends le bateau. Je vous fais un petit plan en accéléré. C'est maintenant, c'est tout de suite. Alors les gars, de base c'était moi qui avais le plus de responsabilités. Et maintenant c'est moi qui fais plus rien du tout. Vraiment, mais tellement plus rien. A tel point que regardez, ils sont au même niveau que moi. Là ils ont presque fini, regardez, on voit juste une toute petite zone à monter. Et puis après regardez, c'est tout droit. C'est nickel. Ça passe là. Là. Ça c'est une excuse de base, non? Non. Bah en vrai, c'est les mêmes murs que les autres. Même murs. On a marre le bateau. Ça va, Alexion? Ça va bien. Je suis mort. Oh, c'est quoi ce truc? Attends, ça va pas. Okay. Tu fumes là? Nina, c'est bon, là, t'abuses. Est-ce que vous êtes prête? Ah. Non, non, je suis remonté d'une vitesse, frère. J'attends de l'avoir fait pour remonter. Là en fait on s'est amarré dans un port. Dans un petit port. Écoutez les gars, ah bah il y a le clocher qui sonne. Le clocher. Mais il est 20h02, pourquoi ça sonne? Y a aucun. Pourquoi ça sonne à 20h02? Parce qu'il a loupé le 20h. Nous sommes à Auxonne, hein, bah, comme ça. Auxonne, bah, je le savais. Du coup là on est à Auxonne et on a amarré notre bateau dans un port. Du coup là en gros on se balade dans la ville et tout. Les gens sont devant, il y a des gens derrière. Et du coup ben on se balade et après on retourne et on va manger. Voilà. Et écoutez, je vous referai une prise, mais je crois que soit on mange genre des merguez et des saucisses avec des pâtes au pesto. Ouais, le rapport entre les deux je ne sais pas, mais les deux ça a l'air d'être très très bon. Du coup je vous explique un petit peu. Demain matin en fait il y a Linfet du coup qui va nous rejoindre. Enfin demain matin, demain midi qui va nous rejoindre. Et bah ça va être très sympathique. Écoutez, j'ai trop faim en fait, j'ai mal au bidou carrément tellement j'ai faim. Mais non mais... Là, mon estomac il est réveillé les gars. Mon estomac il a faim. Du coup, moi je suis en train de courir parce que j'ai vraiment super faim. Parce qu'en fait, papa il nous a dit ouais on peut passer par là et tout. Ça nous a fait faire un détour de malade. Moi j'attends d'être sur mon petit bateau, grave paisiblement là. Et les autres là-bas ils se bougent pas leur pied derrière pour aller manger alors que moi j'ai trop faim. Mais du coup là j'ai très hâte qu'ils fassent des bonnes saucisses, des bonnes merguez avec des bonnes pâtes. Et j'ai hâte de bien manger parce que j'ai vraiment trop faim alors. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Même la petite planche sur le bateau. Les amis, du coup là on a nos petits voisins qui ont exactement le même bateau que nous. Regardez, ils ont mis des petites lumières d'ambiance. Et là avec Lisa on s'est installé. Genre vraiment on a pris la couette de notre lit. On a remonté juste ici les petits trucs. Et là regardez, on est nickel. C'est parfait. On dirait qu'on a mis des bougies, mais alors pas du tout. C'est juste les reflets des trucs. Mais alors regardez un petit peu. Là on est bien, on est sur notre bateau. Regardez, là on a toute la cuisine. Et là avec Lisa on s'est installé juste ici. Derrière on a les parents, on a un petit peu de monde. Il y a 2-3 photos qui sont faites.
Et à côté, ils ont exactement le même, l'Horizon 5. Donc regardez ce que ça fait quand c'est à quai. Et à côté, ils ont mis des petites lumières parce qu'ils ont les enceintes. Et voilà, nous sommes bien accostés, nous sommes bien à quai. C'est incroyable. C'est parfait. Ça tue. Et là, du coup, on va se poser. Et on fera une petite prise avant qu'on aille se coucher. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Attention au premier mot des 15 ans. Mot. Attends. Première fois le plus silencieux que j'ai jamais fait de ma vie. La fête est finie, allez, à dimanche. Voilà, passez une bonne soirée. Allez, maintenant on grandit d'un âge de plus, ça, allez, on est vieux. Allez hop. En mode, on est en train d'essayer de gonfler le ballon. Oui. C'est 9h30 du matin là. 9h30 et on gonfle le ballon. C'est très long, non? C'est voir un ballon rose. J'ai 15 ans, c'est mon anniversaire, voilà. Mamie vient avec nous pour faire un outfit of the day. Parce que là, on a un vrai petit plan. David présente sa petite tenue. Alors, pas sur sa robe comme ça. Et donc, moi, je vais te faire un pull magnifique. Trop beau, très professionnel. Un petit pull. Une robe aussi, normalement. Qui traîne quelques bras. Voilà. Plus attentivement. Avancez ton tour. Alors, il y a moi. Printemps. 20 ans. Collection printemps-été. Et bam, bam, bam. Et attendez, il y a ça. Ça, ça tue. Un petit pantalon Bershka. Allez, des bisous. Mais moi je vois pas ce qu'il y a dans la roue là. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a, Alexian? Tu vas pleurer, parce que à l'arrière c'est horrible. Bah, c'est pareil que moi. Ouais, mais il y a pas. C'est bien, Alexian, tu tires bien, Alexian. Les amis, du coup, j'espère que vous allez bien. Je vous ai encore pas fait de prise avec la caméra ayant 15 ans. Là, j'ai bel et bien 15 ans. Voilà, c'est quelque chose. Non, en vrai, voilà, à part prendre un âge de plus, ça change pas grand chose. Juste que du coup, là, je vais pouvoir profiter avec ma famille et mes amis. Ça va être très sympa. Voilà, j'ai très très hâte. Bon, ma chambre, c'est le bazar, d'accord? On va pas. Look, parce que sinon on fait une crise carrément. Là c'est perturbé le truc. Du coup, écoutez, il fait un peu froid. J'ai une robe et j'ai un pull. La Lindsay, elle est arrivée, Lindsay. Il y a Peggy aussi, elle est arrivée, Peggy. Du coup, voilà, il y a d'autres invités sont arrivés. Enfin en complet. Et Lily enfin a 15 ans. Et Lily a toujours 15 ans. Il y a Gabon, il est en train de galérer. À amarrer le bateau. Est-ce que vous pensez que... Mais bon. Allez. Oh non, je sens pas. J'y sens pas l'affaire là. Arrête, j'ai peur. Oh bah. On va pas tomber, Lindsay. Quand même. T'inquiète pas, c'est vraiment là. C'est bon, je tire une vraie petite terre. Waouh. On est en train de courir. Qui court comme ça, s'il vous plaît? En mode dans les champs. Dans les champs à côté de l'eau. Ah perso, moi je suis bien, je suis à l'aise. Bon, ça va bien. On est en train de manger. Est-ce que vous mangez bien? Très bien, merci. Délicieux. Eh bah ben, parfait. C'est bon, c'est nickel. On aime. C'est nickel. C'est pas dit qu'il n'y a pas à manger. Oh, ça c'est méchant. J'adore. Ça a l'air bien, l'intérêt. Oui, parfait. Happy birthday to you. Oula, ça a pris trop pour moi là. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Y'a pas besoin de souffler. What the C'est ses fromages préférés. En vrai, je pense que il est vraiment super adorable, mon frère, vraiment. You. Ouais, maman, ça va? Ça va, Alexion? C'est génial. Mais c'est parfait, du coup. Attends, regardez là-bas. Mais j'ai pas le temps. Regardez, après, avec les bulles là-bas, ça sent super beau. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Continue. Vas-y, fais-en plein, Lindsay. Attends. Ah, ça rentre pas. Tenez, les filles, amusez-vous, là, il y en a. Oh, ouais. Trois. Ah, ouais, il y en a deux. Nickel. Oh, c'est trop beau. Je peux pas filmer. Ouais. Secoue, Lali. Ouais. J'ai pas un truc collé. Oh non. Laïna, Lali, moi, Lisa et Lindsay. Voilà, je sais pas si on est tous dans le cadre, mais voilà, c'est tout, pardon. Et du coup, regardez, c'était trop chou. Genre. En gros, là, il y a le pont, mais en fait, non, on va passer là-bas. C'est 17h49, on est bien. Il est trop chaud, le mini-pont. On va passer sous le pont. Sauf que comme c'est dit, bah en gros, faut que le chef de bord dit pont et que nous, on fasse comme ça, pouf. Les gars, on vient d'arriver. Je suis trempée, toujours autant trempée. Mais du coup... Franchement, c'est génial. On vient d'arriver au port de pont taillé, je crois. Il y avait du soleil, les gars, il y a eu du soleil, genre pendant au moins 30 secondes. Du coup, bah, on va commencer à se préparer, commencer à se doucher, commencer à prendre notre... Tu rentres ici, on t'a croisé, bébé, ça se maquille, les yeux, ça se maquille pas. Écoutez, je vais vous dire un petit peu les choses. Du coup, on vient de finir de se préparer à bord de notre petit le boat. Voilà, c'était très sympathique. On aimait bien et tout le fait que les chambres soient rapprochées parce qu'au moins on avait mis l'enceinte en plein milieu des chambres et tout le monde pouvait écouter. C'était incroyable. Du coup, voilà, c'était très kiffant. On a bien aimé, on s'est tout préparé ensemble. C'était hyper kiffant avec tous les petits miroirs là. On adorait. Du coup, écoutez, il y a du soleil qui arrive. Les gars, il y a du soleil qui arrive. Il y a du soleil. Bon, il pleut, hein. Il y en a quelques gouttes. Mais on va dire que c'est pas grave. C'est juste pour les cheveux, ok. Vous savez quoi? On s'en fiche. Ce n'est pas Et t'as grave. Pas vu ce qui se passait en haut, Lily, encore? Ça fait vraiment genre 30 moment, minutes. Hein. Je ne peux pas me tourner. Voilà, c'est bon pour vous. Je ne peux pas me tourner. Genre vraiment, j'attends que ça. Mais c'est pas grave. Du coup, petit tout de suite à donner quand même. Voilà. Donc, une petite robe qui est rose. Voilà, avec du soleil, du coup. Petit maquillage très très simple, juste anti-cerne, blush, highlighter. Fossile, très, beaucoup de fossiles, beaucoup de rouge à lèvres, un petit sac et... Attends, elle fait froid. Et voilà. Lily, tu peux venir. Wow, je crois que je peux venir en vrai. Ça veut dire qu'il faut venir. Accessoirement, oui. En fait, je vais pas parce que je veux pas qu'on voit, du coup. Allez, en fait, j'ai pas envie de regarder, en fait. On dit patate. Non mais c'est trop beau. C'est trop mignon. C'est trop beau. Regarde. Joyeux anniversaire, Lily. Merci. Je suis contente. Mamie. On dirait la photo du siècle. Bien sûr. Je suis dans la bûche, tu sais. C'est bon. On se fait agresser là. Bah du coup les gars, je crois que c'est un peu l'heure d'ouvrir les cadeaux. Ah bon? Pas sûr. Je crois en fait on m'a mis devant, je pense que c'est pour faire, je sais pas, pour est-ce regarder. Est-ce qu'on peut boire pendant ce temps? Bien sûr. Arrête gamin, tu vas me faire peur. Mais c'est moi. Pourquoi? Joyeux anniversaire, hein, parce qu'on a soif. Ah oui, joyeux anniversaire. C'est accessoirement le moment. Moi je vais commencer par celui-là. On n'est pas sorti de l'auberge. Attends. Oh, ça m'a l'air d'être un produit de beauté. C'est... Hop, dans la petite boîte carrément assortie, regardez, à nos tenues. C'est maintenant que je vais le découvrir avant. J'ai failli tout faire tomber. Pourtant, il est hyper bien protégé. Ah, mais alors là, il est plus que protégé. Regardez, il est genre
hyper hyper protégé. Je vais vous mettre là, comme ça vous allez pouvoir voir correctement l'unboxing. On est bon. Oh mais regardez-moi ça, mais ce gâteau est surprotégé. Oh, je crois que c'est ça qui dévoile tout le gâteau. Waouh. Il est magnifique. Regardez-moi ça, c'est très très beau. Du coup, faut mettre des bougies. Bah, j'attends les bougies, maman. Ah, attends, je vais amener les bougies. Il y a plein de petits biscuits comme ça. C'est des petits sablés de luxe, enfin des petits biscuits de luxe. Ils sont trop trop beaux. Hop. Ah, je craque. Et pour ceux qui aimeraient savoir, du coup, ce gâteau a été fait par votregâteau.fr. Waouh, c'est magnifique, hein. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Lily. Joyeux anniversaire. Non. Ah oui. Ouais. Oh, les biscuits sont kiki. Coucou, aujourd'hui on est à Pontaillé-sur-Saône où on a dormi dans le petit port de Pontaillé-sur-Saône et là on redémarre pour le troisième jour de navigation. Donc moi je me suis mis sur un tout petit pont et on va les attendre. Il y a encore les ballons de la fête d'hier. Coucou. Coucou. Elle a laissé le ballon pour que je sais déclater. Ouais. Ah oui, c'est bon, arrivez là. Je vais faire le tour là-haut. D'accord. Partez pas sans moi. On fait coucou. On fait coucou. On fait coucou. À la petite maman qui s'est située sur le pont. Et on passe les grands ponts. Et donc ils vont aller s'amarrer là-bas pour que je puisse les récupérer. Les pompiers qui viennent de souhaiter un joyeux anniversaire à Lily parce qu'ils ont vu les ballons. C'est trop beau et trop mignon. Voilà, petite manœuvre d'accostage, d'amarrage, je sais pas trop, je maîtrise pas bien le langage. C'est l'heure de se réveiller. D'accord, c'est 10h. Merci, attendez, je me permets d'ouvrir ça. Mais il n'y a pas de la skincare là ? Si, un peu. Mmh. Juste un peu, genre. Légèrement. Ça va les filles ? Ça va bien ? Nickel. Attention à un pont ! Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je suis pas là. Dans ma tête. En mode tournage ou en mode pédalo. Bravo. Putain. Ah, je suis content, hein. Les amis, du coup, j'espère que bah, vous allez toujours aussi bien. Je voulais juste vous dire, du coup, on est arrivé à Saint-Jean. Saint-Jean-de-l'Aune, c'est ça, on est arrivé ici. Voilà, où tous les bateaux, le boat, se situent. Il y a papa, Gabin, mamie et Elisa qui sont retournés à la maison. Du coup, je sais pas trop ce qu'on va faire encore. Elle est en train de nouer sa robe. Je me noue, je suis toute nouée. Elle est toute nouée. La pizza, du coup. Il est trop con. Okay. Pardon. Sinon, attends, mets ta pizza. Non, non, tout ça, quoi. Du coup, regardez, là, il y a Lindsay, énervée. Envoyer la villa, elle s'embrouille toute seule avec ses coups de soleil, je suis morte. Mais. Enfin, du coup, là, on va bientôt aller dormir et tout. On va se poser de. Attendez. J'ai quand même des poils pas très nettes. En mode Lily. Elle a pris mes lunettes, la folle! Sur ce, bah écoutez, je vous fais des bisous, on se retrouve demain pour le départ. Bisous.
si je pense à faire la transition, mais avant. Les amis, du coup, on se retrouve avec une tête relativement super belle. Hein. Vraiment, c'est beau, c'est vraiment magnifique. T'as vu, je ne veux pas de me réveiller tout de suite, mais bref, on s'est capté. Du coup, là, comme je vous l'ai dit hier. Non, j'avais fait une transition. Attendez, on recommence. Et voilà, les amis, vous avez vu, j'ai pensé à ma transition. C'est faux, je vais clairement y penser à l'instant. Là, en fait, on vient de finir de ranger le. De ranger. De nettoyer le bateau de bâti, de ranger, de. Bref, tout ça, de trier les serviettes, tout ça, etc. etc. Notre bateau, il est tout propre. Voilà, il est incroyablement beau. Pas plus propre qu'au début, certes. Voilà, mais il est quand même très propre. Du coup, écoutez, voilà. Maintenant que nous avons bien nettoyé, bien rangé, bien tout ça, on va attendre que le perso. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Là, maman est partie en fait à la capitainerie pour pouvoir faire le check-out. Je sais pas trop. On va bientôt partir et je crois qu'on a 2h30 de voiture, je crois, je suis pas sûre. Et voilà. Et du coup aussi les gars, il y a Lindsay qui reste à la maison. Donc j'ai très hâte de passer du temps avec elle à ma casa. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, c'est au jour de l'an. Et c'était chez elle. Voilà. Mais du coup, écoutez, ça sent les petites vidéos ensemble là qui vont arriver. Vous les voyez venir hein. Sur ce, bah écoutez, je vous fais des bisous. Et bah, on se retrouve à la maison pour faire une outro. Les amis, ici s'achève la fin de notre petit vlog. Voilà, la fin de ce vlog incroyable sur mon petit bateau qui était trop bien. Enfin, petit non, qui était quand même sacrément grand. Je voulais, vous faire une outro un peu plus posée à la maison. Et pour vous dire que bah du coup, il y aura une autre vidéo, mais avec l'ouverture des cadeaux. Voilà, parce qu'on sait que vous adorez ça. Et du coup, bah, même l'année dernière, je crois, même les années précédentes, on vous avait fait des vidéos pour. Enfin, des vidéos dédiées pour les ouvertures des cadeaux. Et ça vous plaît énormément à chaque fois. En tout cas, les amis, j'espère que bah, du coup, cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré partager ces moments avec ma famille, mes amis. C'était très sympa. Moi, j'ai adoré. Et tout ça pour vous remercier. Aussi, je voulais également remercier le bot. Voilà, merci beaucoup à vous. Des bisous à vous surtout. N'hésitez pas à attendre pour la vidéo des cadeaux qui va très prochainement sortir, je vous le promets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout à vous abonner, à très bonne prochaine vidéo. Bye tout le monde!